Et yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Super Mario RPG. Nous sommes actuellement dans les nuages, nous sommes dans la vallée aux haricots et a priori on avait entendu qu'il y avait peut-être un fragment d'étoile justement ici. Donc il va falloir qu'on grimpe et on avait vu en fin d'épisode ici qu'on pouvait grimper sur ce haricot là. Mais il y avait une note, je voulais relire la note parce qu'il me semble que ça donnait des petites informations sur comment grimper. Alors bah voilà, comment escalader une tige grimpante. Vous pouvez grimper sur une tige, faire le tour avec L pour sauter sur une autre tige, incliner L dans la direction de votre choix et appuyer sur B. Pour vous orienter, gardez un œil sur les ombres en bas, direction de la circulation, royaume de Nimbus. Ok. Ok. Donc déjà... Ok, alors ça marche pas. Ah, attends. Attends. Pourquoi... En fait... Ah, j'arrive pas en fait à... Ok, en fait, faut que je me mette par là et que je... Attends, faut que je me mette par là et que je saute. Ah, mais en fait, faut que je saute normalement, quoi. Ok, très bien. Et là... Bon, c'est pas exactement là où je voulais aller, mais Ah, mais du coup, je peux pas... Ah, ok. Ah, attends. On peut... Ah, mince. Ok, attends. En fait, je peux pas sauter dessus. Ah, si, je peux sauter dessus. Ok, j'ai rien dit. Hop, voilà. Et là... Ah, mince, je suis tombé. Ok, c'est bon, j'ai réussi à remonter. Ah, mais j'arrive pas à sauter. Saute. Voilà, quand même. Oh, il y a une pièce comme ça, là. Ok, alors là... Je l'ai eu. Alors là, je suis content parce que j'avoue que là, c'était un petit peu aléatoire parce qu'ils disent fiez-vous aux ombres, mais les ombres, on les voit pas tant que ça. Hein. Ok, parfait. On a gagné, on a regagné notre magie. Alors en vrai, je crois qu'on était déjà plein en magie. Donc ça va. Oh, bah, parfait. Je suis arrivé du bon côté. Et pour l'instant, j'esquive un peu les monstres. Je suis un peu pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ok. Alors attends. Il y a une pièce là. On va la prendre. Ok. Bon, bah, je monte tant que je peux. Écoutez. Hop, donc là, on vient là. Oh, j'ai rebondi, tiens. Et toi, je peux te sauter dessus? Ah, je pensais que j'allais rebondir, mais non. Ok, allez, on réaffronte du coup le Koopa balèze, là, le Paratroopa XL. Allez, let's go. Ah mince, j'ai raté mon coup critique. Ok. Oula, attention. Tu vas te calmer, toi. Allez, le Paratroopa. Oh mince, bon, je l'ai tué. Au moins, je l'ai tué, mais j'ai pas réussi mon super coup. Dommage, et par contre, il y a peut-être moyen que... Voilà, je le mette KO quand même avec Geno. Bien. Ah, il y a des niveaux. Niveau 17. Niveau 17, je crois que c'est la magie, hein. Parce que là, on gagne 3 points de magie. Là, on gagne 3 points, mais ça, c'est pas très grave. Et là, on gagne 1 point seulement. Non, donc je pense que c'est ça. Let's go. Allez, je prends ça. Ensuite, avec Malo, du coup, bah là, ça va être la magie, c'est sûr. Ouais, ça va être la magie. Ok, niveau 17, c'est la magie, en fait. Bon, lui, y a pas de problème. Lui, c'est le physique. Ok. Bon. Alors, par contre, il va falloir qu'on ressaute, parce que du coup, il m'a un petit peu gêné. Ah, c'est marrant que j'ai rebondi, là. Attends, il est où, celui-là? C'est le vert, là? C'est le vert, celui-là? Attends. Parce que... En fait, j'ai l'impression que... Bah, si c'est le vert, il est aligné au jaune, mais... J'ai l'impression que... Ah si, c'était ça. C'est marrant que je le vois beaucoup... En fait, c'est marrant, mais moi, je le vois beaucoup plus en fond que les autres. Ah bah voilà, ok, j'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi à grimper. Alors par contre, si je me rate là, c'est un peu la loose. Mais ça va, je me suis pas loupé. Ok, allez, récupère les pièces. On récupère les pièces. Et on monte. Ok. Bon, alors j'avoue qu'un petit point de sauvegarde, là, ce serait pas de refus, parce que j'avoue, s'il faut refaire ça, c'est un peu galère. Source thermale! Ah. Ok, vas-y, tiens, on va prendre de ce côté-là, du coup. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah! Le royaume de Nimbus! Très bien. Votre attention, s'il vous plaît! Je vais vous parler. L'état du roi Nimbus ne cesse de se détériorer. Nous risquons de perdre notre monarque. Cependant, vu
Figurez-vous, oh miracle, que j'ai retrouvé le prince perdu, notre bon prince Malo. Prince Malo, avancez-vous, je vous prie. Mais allons, venez donc. Comment ça, prince Malo? Ma foi, il semblerait que notre bon prince soit un peu intimidé par la foule. Mille excuses, oh oh oh. Tu vas te dépêcher, oui? Oh, tu ne passes pas. Ah, c'est lui, Malo. Je vous présente le prince Malo. Bon retour parmi nous, prince Malo. Vous avez beaucoup grandi, prince Malo. Vous avez l'air en forme, prince Malo. Oui, de quoi il s'agit-il? Hein? Vous souhaitez que je ne m'attendais pas à ça. Mais ma foi, si vous insistez, je ne peux pas refuser. Ma décision est prise. À la demande du prince, j'accepte d'assumer la position de reine. Sa Majesté Valentina, ouh, j'en ai déjà des frissons. Bien, l'affaire est entendue. Que chacun retourne à ses occupations. Dépêche-toi, tu veux. Passe pas la porte. Ah ah! Ça alors, quelle coïncidence, il y a un prince qui a le même nom que moi. Bref, on va pas non plus s'éterniser ici, on a des fragments d'étoiles à trouver. Ah ah! Et le fait que tu ressembles à un nuage, et que c'est exactement le même prénom, et que le roi Malo ne ressemble pas du tout à un nuage, alors qu'on est avec le peuple des nuages, a priori, du coup, il y a pas un truc qui te met la puce à l'oreille, là, Malo? Non? Bon. Ok, en tout cas, on va aller à la boutique. Maintenant, maintenant que je me suis fait avoir une fois avec les, avec les équipements, dès que je vois une boutique, je fonce. Je vais acheter les nouveaux équipements, quoi. Toi, t'as la tête de quelqu'un qui cherche quelque chose, je peux t'aider? Eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Méga gants, ok, double gants, bras canon et éventail. Oh, ben on va tout acheter. On va tout acheter, évidemment. Allez, let's go. Let's go. Oh là là, on va devenir encore plus fort. Parfait. Ok, et dans les défenses, salopette duveteuse. Alors, on perd des stats. On perd 25 de stats, mais on gagne 34. Donc, on va prendre ça. Ok, oui, on va la mettre. Caleçon duveteux. Bon, bah là, il y a que du bonus, donc on se pose pas la question. Là. Ah, là, par contre, on perd 25, mais on regagne que 16. Donc ça, c'est pas intéressant. Et ça... On se pose pas de questions, du coup, c'est très bien. Bon, bah écoutez, on aura fait au moins des petites emplettes. Voilà, on n'aura pas tout acheté parce qu'il y a des trucs qui valaient pas le coup. Mais, ok, très bien. Et là, du coup, il y a l'auberge. Alors, on va peut-être aller sauvegarder, vite fait, si on peut. Voilà, très stylé par contre, cet endroit-là. On va sauvegarder ici. Hop, très bien. Ok. Très stylé ce petit endroit, c'est vrai que je suis pas revenu dessus, mais la ville dans les nuages, ah, bon, en même temps c'est un peuple de nuages, donc c'est assez logique. Vas-y, on va leur parler un peu. Avant, je travaillais au service de Sa Majesté Nimbus, mais un beau jour, Valentina m'a annoncé que j'étais renvoyé. Je comprends pas, si le roi est malade, il a sûrement besoin d'aide. Ouais, alors ça sent clairement le coup monté, hein. Je veux pas être méchant, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Je veux pas être méchant. Ah mais non, mais c'est juste des maisons classiques, je pensais que c'était une boutique ou un truc. Ça sent le coup monté, hein, de Valentina pour devenir reine, là, soi-disant le prince Malo, ou je sais pas quoi, c'est pas le prince Malo du tout, hein. C'est pas le prince Malo du tout. Bonjour. Pourquoi il a des statues en or, lui? Je suis Garo, le sculpteur. Avant, je sculptais toutes sortes de statues pour le roi Nimbus. Mais maintenant, les seules commandes que je reçois sont pour des statues de Valentina. Ah, c'est pour ça qu'il y en a là. C'est pour ça qu'il y en a là, ok. Ah, mais il y a une statue de Malo! Ah, mais c'est moi! Ah, ça, c'est le roi Nimbus. Enfin, quand il était plus jeune. Oh, mais t'es qui, toi? Bonjour, je m'appelle Malo. Et ça, c'est mon pote Mario. Malo, c'est bien toi. Ça fait si longtemps. Quel superbe prince tu fais. Quoi? Quoi? Je suis un prince? Ah ah. Malo, ok, il est tombé, il s'est fait élever par la grenouille, du coup il était content, il a cru qu'il était une grenouille, je sais pas, ok, je sais pas trop, ok, ah non, il lui a appris que c'était pas une grenouille, il a été choqué. Ah, je comprends mieux, c'est donc ce Batracius qui t'a élevé. Ah, ça ne fait plus aucun doute, tu es bel et bien notre prince disparu. Ah, t'as vu ça Mario, je suis un prince.
Je me disais bien que Valentina nous cachait quelque chose. Il se pourrait même que le roi ne soit pas gravement malade, comme elle voudrait nous le faire croire. Dans ce cas, il faut vite aller secourir mes parents au palais. Ah ! J'avoue que je n'ai pas vu venir ça. Le coup de Malo, qui est le prince, ça je pouvais pas le deviner, mais le fait qu'on arrive dans la zone des nuages et que en fait on allait rencontrer la famille de Malo, parce que Malo au final il cherchait à retrouver sa vraie famille quand même. Mais c'est logique parce que c'est un nuage, on va dans les nuages, mais je l'ai pas vu venir quoi. D'où tu sors toi, on laisse pas entrer n'importe qui, hop du balai. Ah, il s'est fait jeter par les gardes. Ouais. Ouais ouais ouais. Ah. Attendez, je crois que j'ai une idée, venez par ici. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es prêt ? Ouais. Je sais pas. Ne bouge pas, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Il me regarde. Oula, attention. Ok. Oh ! Et voilà ! Ne bouge pas ! Tu dois rester immobile comme une statue, ok ? Alors, c'est parti ! Ah, il va aller faire genre que je suis une statue. Ah. Ok. Je viens livrer la dernière commande de Valentina. Vas-y, tu peux entrer. Halt, attends un peu. Cette statue-ci ne ressemble pas du tout à Valentina. Ah. C'est la statue du petit-fils de la mère de l'oncle de Valentina. Mariotina. Ok, tu peux y aller. Je suis Mariotina. Magnifique. Oh, ah oui, d'accord, il y a des statues de Valentina partout, quoi. Phew, il s'en est fallu de peu. J'ai inventé une toute pièce, l'histoire de Mariotina, et ça a marché. Oh, c'est éblouissant. Tu as reproduit ma toute beauté à la perfection. Je suis radieuse. Quel talent. Merci, Haute Majesté. Sur ce, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Oh, c'est ma dernière création. Je l'ai sculptée spécialement pour vous. Elle est intitulée « À la recherche du frère perdu ». Cette grosse moustache que vous voyez là symbolise la douce affection d'un homme pour son jeune frère. Cette épée et favori sont une métaphore de son dévouement foisonnant. Et ses jambes au galbe parfait évoquent la détermination à franchir les distances d'un seul bond. Est-ce qu'elle vous plaît ? Oh ! Cela m'avait échappé au premier coup d'œil, mais à y regarder de plus près, c'est en effet un travail d'une grande profondeur. Il n'y a que toi pour exprimer avec autant de talent la beauté la plus pure et la rudesse la plus... rustique. Merci, Votre Majesté. Mais sur ce, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Quelle profondeur. Dodo, ne reste pas planté là comme un rôti. Viens vite chercher, statue. Dodo. Ah, je croyais qu'il s'appelait Malo, lui. Quelle empotée tu fais. Dodo, donc. Ok, ah. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attaque la statue? Ok. Il se venge, je sais pas. Il est pas content. Ok. Il place les statues. Très bien. On entend depuis tout à l'heure le... Oh, oh, oh. Ok. Ah. Et là, je me mets à bouger. Donc, je peux bouger. Ok. Let's go. Bon, on est Mario d'or, là, mine de rien. Je suis pas revenu là-dessus, mais incroyable. Ah, bah tiens, on va sauvegarder. Parfait. On va sauvegarder ici. Voilà, le palais de Nimbus. Ok, c'est quoi cette cage là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cage? Je ne sais pas. On peut rentrer. Dodo! Tu as bien aligné les statues? Parfait. Alors, astique-les maintenant pour qu'elles reflètent bien toute ma beauté. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hop, au travail, et que je ne te reprenne plus à rêvasser. Voilà, vite. Faut que tu retournes à ta place, Mario. Vite. Ok, c'est bon. Dodo n'a pas l'air de très bonne humeur. Continue à faire la statue et sauter pour éviter les coups de bec. Attention, il arrive. Ah. Comment ça, sauter pour éviter les coups de bec? Il va savoir que je suis pas une statue. Ok. Il est où? Il est là.
Mais... Ah non ! Je l'ai pas vu venir. Ok. Oh, il recommence du coup. Ok. Ah, oh, la statue a eu mal. C'est bien ça que tu essaies de me dire ? Comment une statue pourrait-elle avoir mal ? C'est une statue, voyons. Réfléchis un peu. Ah, il recommence du coup. Ok. Ok, ok, ok. C'est long par contre. Deux. Ok. Deux, 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 don. Un, deux, trois. Maintenant! Mais. Je suis une statue, je ne bouge pas! Deux, 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 deux. Ah. Ah. Assez, si cette statue t'embête, donne-lui un bon coup de bec et pour en finir. Saute, saute, je peux pas sauter. Non. Ah, ok, on doit l'affronter. Ok. Eh ben, écoute, désolé, Dodo. On va commencer par une petite attaque trio. Allez, let's go. Let's go, let's go. Les étoiles. Vu qu'on est un peu sur un gros monstre, je pense. On peut se permettre ça. Voilà. On commence fort. 392. Effectivement, on commence très fort, du coup. On commence très, très fort. Ah, mince. Ah oui, du coup, on a changé de... Ok! Ah oui, il faut que... Vu qu'on a changé d'arme, il va falloir que je me réhabitue, du coup. Ok. Ah, mais toi aussi, du coup, t'as changé d'arme. Ok. Ok, 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 ok. Ah, faut que j'apprenne à quel moment faut cliquer. Ok, bon. Malo, j'arrive bien, pour le coup. Ah, il est tombé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'enfuit! Bah... Oh, bah, le combat était peut-être pas si important que ça, mais bon. Ah, mais du coup, il m'a enlevé mon doré! Il m'a enlevé mon doré. Bon bah là c'est mort. Du coup on va pas pouvoir passer incognito. Hein. Bon, par contre je vais re-sauvegarder vu qu'on a fait le combat de boss. Et puis surtout le petit truc là avec les sauts là. J'avoue. Ça aurait pu être un peu galère mais ça va. Ok. En fait pourquoi je suis reparti en arrière? J'ai voulu les esquiver mais bon ouais. Ouf. Ok on va aller là. On va aller là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok. Oh bon bah tant pis. Je vais en affronter un. Ok, masque à fronde et orbison. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Allez, let's go, on va toucher celui du milieu. Ah mince. Mince, 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 mince. Ok, ah, j'ai réussi à toucher les autres. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Soin. Ah. Ouais, donc non. On va essayer de faire en sorte qu'il ne se soigne pas, clairement. Ok. Faut que j'attende qu'il lève son coude. Ok, lui, par contre, c'est assez tôt, Mario, en vrai. Ça s'enchaîne assez bien quand tu attaques quasiment aussitôt. Du coup, il faut appuyer. Par contre, avec Geno, faut attendre qu'il lève son coude. Oh, mais il y a... J'allais dire, il y a une autre statue. Et eh ben, j'ai même pas eu le temps de le dire. Et du coup, elle m'a attaqué. Ah, mince, je me suis encore fait avoir. J'ai cliqué trop tôt. Ouais, Mario, par contre, c'est assez tôt, en vrai. Donc, c'est plutôt cool. Parce que moi, généralement, j'ai tendance à appuyer assez tôt. Et Malo, ça va. C'est logique, c'est logique. Ok. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit coup de Geno là? J'aimerais bien. Ok, mais faut vraiment que j'attende qu'il lève son bras, quoi. Faut vraiment que j'attende qu'il lève son bras. Faut que je prenne le réflexe. Mais c'est vrai qu'en fait, vu qu'on change d'arme et que ça change le gameplay, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que ça change le gameplay du personnage. Le fait de changer l'arme, quoi. Alors là, par contre, je veux pas dire, mais celui-là, il est pas XL, il est triple XL, l'autre. Oh, c'est quoi derrière, là? Un fourchon d'or. Ok. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Bah vas-y, on va attaquer. Ok, bah du coup, voilà. Du coup, là, j'arrive à faire mes coups critiques, donc ça, c'est parfait. Ah mince, là, j'ai pas réussi. Bon, j'ai au moins tué un masque, c'est toujours ça de pris.
Bim. Parfait. Ok. Toi, lame de diamant. Ouh, on a déjà eu ça à un moment. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Ok, 266. Et lui, là, le fourchon. On fait quoi avec le fourchon? On le tue quand même, hein. Oh, 100 de dégâts. Ah, il se réveille. Il se réveille, il se réveille. Ok. À moi de jouer. Bim. 82. Et bah voilà. Du coup, il aura eu le temps de rien faire. Et bah, reste endormi, le petit fourchon, là. Ok, très bien. Et Peach. Peach niveau 17. Du coup, Peach niveau 17, c'était quoi? C'était la... Oui, c'était la magie, parce que niveau 16, c'était la vie. Ok, je vais aller là. Ah, ça a l'air d'être grand. Il y a l'air d'avoir plein de pièces. Hop, on va essayer de passer vite fait. Essayer d'esquiver un petit peu les gens. Ok. Alors là, je peux me soigner. Ah, je peux pas sauter, là. Je peux pas sauter, malheureusement. Donc là, c'est un cul-de-sac pour moi. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ok, ouais, j'ai bien senti que les statues, c'était des fausses statues. Toi, j'ai envie de t'affronter parce qu'il est très, très gros, celui-là. Ah non, c'est juste des XL... C'est juste des XL normal. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave. Hop, 190, parfait. Let's go. Ah bah, lui, il est presque vaincu, donc on va plutôt... Attends, on va toucher celui-là parce que celui-là, il a pas pris les dégâts à côté. Voilà, parfait. Et toi, Malo, on va toucher celui-là. Hop. Ah, mince. Ah, si, c'est bon, on en a tué un, au moins. Par contre, pareil au lancement. Ok, pareil au lancement. Ah, il est obligé de se charger. Tellement il est lourd, il est obligé de se charger. Ok. Ah, mince, j'ai cliqué trop tôt. J'ai cliqué trop tôt, malheureusement. Défense plus, ok. Faut que j'arrive à le choper, le rythme, parce que là... J'avoue que c'est pas intuitif d'attendre qu'il lève son bras et tout. Mais bon. Hop, c'est surtout qu'en fait j'ai envie de cliquer vite. Zut, alors c'est fermé à clé. Ok, et en plus il y a un ennemi qui vient m'attaquer. Super! Ok, alors on sait qu'il faut focus le truc qui soigne là. Hop, tiens, tiens. Ah mince, j'ai pas réussi à faire le coup critique, mais c'est pas grave. Ok. Bon, bah là j'ai pas réussi non plus, du coup. Ok, on met KO lui en premier parce que l'autre il est endormi. Voilà, et là du coup, on peut attaquer lui directement. Ok. Il est réveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va pas faire grand-chose, a priori. Puisque il va être KO. Bien. Bien, bien, bien. Ok, et là, je peux pas y aller, on est d'accord? Je ne peux pas y aller. Ok, ah, j'ai encore un coffre, là. Ah, c'est pour avoir de la magie. En fait, ce qui est dommage, c'est que... Je ne sais pas ce qu'il y a dans les coffres avant de les ouvrir. Parce que sinon, là, par exemple, la magie, j'en avais pas spécialement besoin. Mais bon. Ok, alors, let's go. Vas-y, attaque lui, par exemple. Hop, voilà. Ok, très bien, ça c'est fait. Ensuite, Mario, à toi. Ah mince, ouais, Mario c'est très rapide, contrairement à Geno. Ok, et toi ça va, c'est à peu près logique. Ok, il va se réveiller. Mais par contre, c'est encore à moi d'attaquer. Ah non, ah il attaque pour une fois. Pour une fois, il attaque, ok. Voilà, bien. Bien, bien, bien. Hop, oh là, attention. Faut que je fuis, faut que je fuis, faut que je fuis. Alors ici, mince. Ok, il m'a fait peur, j'avoue que lui il m'a fait peur. Là, il est sorti de je sais pas où là. Il m'a sauté dessus. Ok. Ok, ok. Bon, les fourchons. Oh, attends, il y a un ennemi spécial, là. Ouh, il y a un ennemi spécial. Ok, donc on va focus lui. On va focus lui. Voilà, 200. Oh, bah voilà, on l'a déjà tué. Bon, en vrai, les ennemis spéciaux, plus ça va, plus on les tue facilement, en vrai. Hein. Hop, je vais m'attaquer à lui. Parce que l'autre, il est presque mort. Voilà, et ben, il est mort avec les dégâts à côté. Bien. Bien, bien, bien. Ok, ah, j'ai pas réussi à me défendre. C'est pas grave. Ah mince, et là, j'ai mal attaqué, mais ça suffit. Ça suffit, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Ok, ah, attends. Ok, je peux... Ah mince. Mince, 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 mince. Et il est toujours endormi, alors qu'à l'instant, on vient de le voir réveiller. Bon, ok, 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 ok. En vrai, on pourrait pas... Tiens, on n'a pas testé ça, le Genoflash, en passant. Hop, attaquer tous les ennemis, puis savoir accumuler l'énergie et flash. Ok. Appuie sur A pour charger, puis relâcher. Parfait, vas-y, let's go. Oh, il se transforme en canon. Ah ouais, ah ouais, bon, ça coûte beaucoup de points, mais en vrai, quand il y a beaucoup d'ennemis, ça peut être très cool, ça peut être très cool. Ok, on peut passer là? Attends, mais c'était un faux passage? C'est un faux passage ou c'est un bug? Ah, je pense pas que c'est un faux passage. Attends, 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 par contre, c'est quoi cet endroit là? Attends, 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 parce que là, je sens qu'il y aurait bien un truc caché, mais je sais pas où. Ah! Oh, c'est un des coffres cachés, je pense. Oh, la dernière fois, on en a entendu parler. On nous a dit il en reste 38. Bah voilà, je pense qu'on en a trouvé un.
Ok, et ici, du coup, qu'est-ce que vous faites? Si on emmenait le roi à la source thermale, je suis sûr qu'il guérirait en moins de 2. Tu sais quoi, il y a un œuf géant dans la salle du milieu. Parfois, il crache des œufs, mais avec un peu de chance, on arrive à les renvoyer en se protégeant. D'accord. Tu sais qu'il y a une source thermale près d'ici? Bah oui, on le sait, du coup. Ah, t'es pas drôle, j'étais tout content à l'idée de t'apprendre un truc. Ok. Je t'ai gardé ici avant, mais Valentina a renvoyé après avoir confisqué toutes les clés. J'avais fait faire un double, mais j'imagine qu'il ne servira plus à rien désormais. Tu le veux? Bah oui, oui, oui. Je veux. Tiens, je te le donne. Ne me dis pas ce que tu veux en faire, ok? Ça me regarde pas. Ah, clé du palais 1. Ah ouais, ça a l'air d'être un gros labyrinthe quand même. Le palais. Très bien. Non. Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est que vu qu'il y a un point de sauvegarde ici et qu'on a récupéré en plus une clé, ça se trouve, ça ouvrira la porte qu'on pouvait pas ouvrir juste avant. Eh ben, on va se laisser ici, voilà, comme ça au moins on est avec eux. Alors je sais pas comment il s'appelle le peuple, mais on va dire le. Parce que le roi, ça a l'air d'être, il a l'air de s'appeler Nimbus. Du coup, bah c'est le peuple de Malo. En final, c'est des nuages, voilà. Genre, on va appeler ça le peuple des nuages. Je sais pas trop exactement leur nom officiel. Et du coup, on va pouvoir se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura mine de rien infiltré le château. On aura découvert que Malo était un prince au final. C'est ça surtout le gros événement, c'est que grosse révélation sur Malo. Il a retrouvé plus ou moins son peuple d'origine. Ce n'était pas une grenouille, évidemment. Et par contre, il a appris qu'il était un prince. Ça, c'est pas rien. Bref, en tout cas, on verra la suite la prochaine fois avec Valentina qui veut, en gros, récupérer la couronne, quoi, et devenir la reine. On essaiera, je pense, de l'arrêter, parce que techniquement, c'est Malo, le prince, hein, voilà. Bref, en tout cas, je vous dis à très vite pour la suite. Et sur ce, bye tout le monde !